Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Black Flag. Sur ce, bon visionnage. Yeah.
Right, stop. Yes, you! Prepare your coffin! Now! Allez, les gars, assez traîné. C'est ce maudit chanvre. Lieutenant. Chut. À vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur ? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair ? Aïe, sir. Quelle charogne du bas-monde. Quelqu'un devrait aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux? Sinon, on sera coincé ici. D'accord, je m'en occupe. Le Rhum vous a rendu fou. Je vais pas vous aider à tuer le Commodore, pas un des hommes du roi. On va pas tenter la fortune. Vas-y, je bouge pas d'ici. Rogers et Chamberlain n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer. Tu sais pourquoi ? Le Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. D'après certaines rumeurs, Rogers serait une sorte de jacobite. Ou pire, on dit qu'il est catholique. Il existe pire que ça. Abotez ces deux hommes là-bas. Une affaire urgente. Allez-y. Rogers et Chamberlain n'ont pas l'air de beaucoup s'aimer. Tu sais pourquoi ? Le Commodore ne porte pas les civils dans son cœur. Et d'après certaines rumeurs, Rogers serait une sorte de jacobite. Pire, on dit qu'il est catholique. Il existe pire que ça. Abotez ces deux hommes là-bas. Oi! Stand still! You're dead!
paraît que le Commodore n'arrête pas de maudire Rogers, de le traiter de païen et de Dieu sait quoi. Qu'est-ce qu'il y a entre eux ? Tais-toi. Mieux vaut éviter de s'attirer les foudres du gouverneur. C'est un homme mystérieux. Je veux dire que j'ai bien plus peur du Commodore. Lui, il ne plaisante pas. Aucun sens de l'humour. Right, get out!
You! Clear shot on it! Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme? La vérole obscurcit ta raison. Pourquoi se démener à sauver de telles crapules? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. On prend exemple sur le roi Georges, rien de plus. Garde ta place, paysan. Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter? Sans ce païen de gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts, espèce de larve. Ton heure arrive! Mm-hmm.
Prepare your cup! Get back here! Damn it! You there! He's mine! Commodore est mort, t'es pas encore prêt? Presque. On a
un problème avec le galion à cause de quelques... malédictions. Tu choisis de fumer ici, crétin ! On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes ! Lâche-moi, malade ! Tu m'as assez cogné ! Edward, je te disais qu'une escouade de homards s'est installée sur notre galion. Va falloir les déloger avant d'utiliser les canons contre le blocus. Près du navire. Maintiens-le à flot. Les huniers et les cagatoires. Les Anglais nous ont repérés. Regarde. Coupe la toile, il peut le supporter. Maintiens-le à flot. Sinon, tout est perdu. Capitaine, si on touche là, il ira pas. Il m'envoie vers l'enfer. Attention, il va exploser. Éloigne-nous d'ici. On est passé. Évite la flotte et on sera hors de danger. Gardez les monnaies, vivement! Allez, on va prendre le mortier!
la flotte et on sera hors de danger. Accrochez-vous! Envoyez les grappins, on va le prendre.
joue à notre flotte. Donnez-moi de la vitesse! Envoyez toute la toile, en route! Défermez! Donnez de la toile! Capitaine, un homme à la mer. Ça va les tenir occupés. Brûlez, bande de chiens. Colle-toi ton pardon au cul, gouverneur. À croire qu'ils viennent de faire une prise. Salut, Kid. T'as manqué une belle flambée. Ouais. Dommage pour Nassau. Et Barbe Noire a quitté le navire. On va s'occuper de Satch. Ven est parti le voir et je m'apprête à le rejoindre. C'est tout ce qu'il reste de votre expérience démocratique? Ouais. On fait ce qui nous plaît ici et on le fait en prenant notre temps. Nom de Dieu, Edward. Il y a vraiment que l'odeur de l'or qui te titille le nez. Hé, hey, quelle mouche t'a piqué? La réalité, mon ami. La réalité. Ne te laisse pas entraîner dans le sillage de Sra décadent. Oh! J'ai survécu plus longtemps que la plupart de mes semblables. Il manque encore un petit quelque chose. Ce
Cet endroit n'est pas encore parfait. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!